Coucou les filles, ben me revoici avec une nouvelle vidéo. Donc c'est pour une vidéo haul, le bigot, le enfin craquage de slip, enfin craquage de tout ce que vous voulez. C'est décidé, je ne ferai plus jamais de no buy parce que quand je mets en no buy et quand je décide d'arrêter, et ben après voilà, c'est encore pire que quand j'étais pas en no buy. Donc c'était le no buy pour moi, c'est terminé. Je préfère acheter des petites choses de temps en temps plutôt que de me faire des craquages de slip comme ça une fois que je suis plus en no buy, c'est n'importe quoi. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai mes lunettes, ce qui veut dire que l'heure est grave. Voilà, alors cette vidéo, je pense, va être en deux parties parce que j'ai plein de choses à vous présenter. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses que j'avais achetées il y a un petit moment et que non, même pas, non, bah non, tout ce que j'ai là à vous présenter, ce sont que des choses que j'ai achetées après mon no buy. Donc voilà, donc j'espère quand même, je vais essayer de faire des vidéos, pas trop longues, et de toute façon je la couperai en plusieurs parties si c'est nécessaire. Alors je vais commencer tout de suite par les petits achats, les magasins où j'ai été, où j'ai effectué quelques petits achats, voilà, et puis on finira par le plus gros. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter donc ce que j'ai acheté à Carrefour, puisqu'à Carrefour en ce moment il y a des rangements maquillage. Alors vraiment, je vous conseille d'y aller parce que il y a, en tout cas moi je sais que je suis allée à celui de Clessouilly et celui de Clessouilly, il y avait vraiment un mur de rangement de maquillage. Donc j'essaierai de vous poster la vidéo pas trop tard pour que vous puissiez y aller et pour qu'il en reste encore si ça vous intéresse. Alors tout d'abord, je me suis pris donc un petit voilà, je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Voilà un petit pot comme ça où on peut mettre donc plusieurs crayons, voilà, des rouges à lèvres ou des pinceaux, enfin ce qu'on veut. Je vous mettrai des petites photos de moi, comment je les utilise. Ça pourra, voilà, comme ça vous verrez comment moi je les utilise. Voilà, donc on peut mettre plusieurs choses. Alors ça, il était 3 euros. Je me suis pris aussi donc une boîte, enfin un rangement, hein, qui est normalement un rangement donc pour bijoux. Alors, je ne sais pas trop comment vous montrer, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Je vous mettrai une photo aussi parce que moi je m'en sers donc pour mettre mes rouges à lèvres. Et donc j'en ai pris un et je pense retourner ce week-end en prendre un autre en prévision ben, des futurs rouges à lèvres que j'achèterai parce que vraiment c'est super pratique pour ranger ces rouges à lèvres. Après bien sûr on peut ranger autre chose mais moi pour les rouges à lèvres j'ai trouvé ça super pratique. Celui-ci je l'ai payé 9 euros et je me suis pris donc un grand rangement comme ça. Voilà donc où il y a trois tiroirs et puis au-dessus voyez un petit rangement où on peut mettre plein de petites choses. Voilà, donc je vous mettrai une photo aussi pour vous montrer moi ce que j'ai mis et comment je m'en sers. Et ça c'est super pratique et c'est super rare qu'il y en ait à chaque fois que je voulais en acheter, il n'y en avait jamais. Moi je suis tombée dessus vraiment vraiment par hasard. Alors je ne sais pas en quoi c'est fait. Je sais pas. En plastique, en c'est en plastique, hein. Mais bon, voilà quoi. Ça peut être super intéressant si ça vous intéresse. Moi, alors, il était à 14,95 €. En tout cas, voilà, aux 15 euros, si on arrondit à 15 euros. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller à Carrefour parce que vraiment, c'est super intéressant. Je pense d'ailleurs aller m'en reprendre un aussi comme ça. Pour en avoir un, pour ranger autre chose. Voilà, c'est super intéressant. À Carrefour aussi, donc en ce moment, ils font, donc ben, j'en ai déjà retiré deux, mais voilà, des mouchoirs en papier, hein, voilà, de la marque Lotus. Donc il y a trois boîtes achetées, une gratuite. Et donc les quatre boîtes, je les ai payées 3,80 €, je crois. En sachant qu'une boîte Lotus coûte 1,80 €, je sais pas, près de 2 euros quand même. Donc voilà, c'était super intéressant pour les quatre boîtes à environ 4 euros. Voilà pour mes achats. Excusez-moi pour le bruit.
à Carrefour. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Carrefour. Alors, après, je vais vous montrer rapidement une chose, parce que je vous en avais déjà parlé. En plus, j'ai posté une photo, je crois, sur, sur mon Facebook. Donc, c'est de chez Sleek, la CC Crème. Je vous en avais déjà parlé, vous avez déjà fait une petite revue sur la CC Crème de chez Sleek. Hein, donc, je vous mettrai le lien quelque part. Et moi, je l'avais pris en dark, qui est beaucoup trop foncé. Et donc, là, je l'ai pris en médium. Voilà. Et donc, ben, comme je vous avais dit, donc, je ferai un test, ben, une vidéo test hein, avec vous pour voir comment ça rend. Mais je l'ai testé hein, sur ma main, j'ai fait un swatch et super quoi. Je suis impatiente de la tester. Voilà. Donc ça, c'est mon achat chez Sleek. Donc après, donc, j'ai fait un achat donc, sur le site Paradrux. Puisque dans une précédente commande, et ça remonte un petit moment de chez Paradrux, j'avais eu un petit échantillon de la marque Garancia. Un échantillon en deux coups de baguette, vous savez, le démaquillant, la crème démaquillante. Et j'ai, mais alors, adoré ce produit. Et ça m'a donné très très envie de tester les produits de cette marque. Et j'ai regardé un petit peu sur le net, voir. Et bon, et c'est vrai qu'il y a un produit qui revenait souvent, c'est le Pchit Magique. Donc c'est un micro-peeling, hein, tout simplement, un nettoyant micro-peeling. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Voilà, en 30 secondes, donc il promet bien sûr, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau jour après jour, 30 secondes chrono. Mais pour tout type de peau, donc les produits de chez Garancia sont sans parabènes et sans phénoxéthanol. Et donc voilà, donc moi j'ai très 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 envie de, je suis très impatiente de le tester. Voilà, je l'ai acheté parce que mon nettoyant donc visage de la gamme C'est Beau Végétal est en train de se finir, donc je le remplacerai par ça dans ma routine soin du visage. Je le remplacerai par ce produit qui coûte un peu cher, hein. Mais j'avais vraiment très très envie de tester. Moi, je l'ai payé sur le site de Paradrux autour de 23 €, je crois. Voilà, ça fait un peu cher. Bon, c'est un flacon qui fait 100 ml. Ils disent que si on l'utilise deux fois par jour en utilisant deux pressions, il a une utilisation à peu près de 2 mois. Moi, j'utiliserai qu'une fois par jour, puisque je me nettoie le visage avec un autre nettoyant visage le soir. Donc, bon, voilà. Normalement, il devrait me faire le double 4 mois. Mais c'est vraiment pour tester. Voilà. C'est un peu cher. J'ai pas l'habitude d'acheter des produits soins à ce prix-là. Mais je me dis, voilà quoi. Je vieillis quand même, et donc il faut peut-être que aussi je regarde un peu des produits qui sont peut-être un peu plus chers, mais qui vont s'adapter beaucoup mieux à ma peau. Voilà, donc bien sûr, dès que je commence à le tester, ben, je vous fais une revue, je vous en reparle. Et puis, j'en ai profité aussi donc pour prendre un petit kit comme ça d'essai. Vous savez que j'adore prendre des petits kits d'essai. Ça me permet de tester plusieurs produits d'une marque et je trouve ça super, vraiment. Moi, je vous conseille en tout cas, quand vous voulez tester un produit, plutôt que d'acheter un produit à je ne sais combien et en plus en grand format. Et s'il ne vous plaît pas, ben, vous jetez le grand format, quoi. Donc, achetez plutôt des petits kits, c'est vachement plus sympa. Moi, j'ai pris le kit d'ensorcellement. Donc de la marque Garancia, hein, toujours. Donc il y a bien sûr en deux coups de baguette, je vous en reparlerai de ce produit. Donc c'est une crème démaquillante, voilà, qui est ici. Ici vous avez une petite serviette qui sert pour le peeling. Ici vous avez Diabolique Tomate. Donc c'est pareil, c'est un produit qui apparemment est très très bien. J'ai vu des vidéos sur YouTube, apparemment est très bien. C'est une crème. Donc là, vous avez Mystérieuse Mille et Une Nuit, hein, qui est une crème de nuit. Et en dernier, vous avez Formule Ensorcelante Anti-Peau de Croco 3 en 1. Voilà, qui est une crème pour le corps, qui gomme sans grains et lisse, et qui est anti-relâchement, nourrit et hydrate 24 heures. Voilà, c'est le dernier produit qui est ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien quelle luminosité. Voilà. Donc voilà les produits que j'ai achetés donc, sur le site de Paradrux, et que vraiment je suis impatiente de tester.
Après, donc, comme certaines d'entre vous le savent, j'ai donc testé le site de AliExpress. Bon, je vous ferai une revue, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, puis je vous ferai une revue sur ce site. Et donc, j'ai pris quelques produits. Donc, sur le site AliExpress, il y a beaucoup de fake. Hein, enfin, il y a, voilà, c'est de la contrefaçon. Hein, donc, je sais, il y en a qui vont dire, oh là, c'est pas bien. Mais bon, voilà. Moi, j'ai quand même voulu tester pour voir les produits, comment ils étaient. Et donc, je me suis pris tout d'abord la Naked, donc Urban Decay, hein, la basique, la petite palette comme ça. Donc, elle ressemble vraiment, vraiment beaucoup à l'original. Hein. Voilà. Je vous montre rapidement, rapidement, rapidement les. Donc, il y a un miroir hein, ici. Et puis là, vous avez donc les couleurs avec les noms. Pas très bien écrit, des fois un peu effacé, hein, voilà, c'est un fake. Hein. C'est la palette avec laquelle j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Je suis dans les formats, voilà, je ne mets que des formats. Donc cette palette, je la trouve vraiment super géniale. Après, est-ce que c'est la même que l'original? Je ne sais pas, je n'ai pas l'original. Mais les fards sont très très bien. Et voilà, de toute façon, je vous ferai une revue si, plus approfondie sur les produits que j'ai achetés donc, sur le site AliExpress. Là, je vous les montre simplement. Donc j'ai pris aussi donc deux imitations, enfin voilà, deux beauty blender hein, comme ça. Donc là je vous en montre un seul puisque l'autre est sale. Hein, voilà. Donc qui sont vraiment très très bien. Très très bien. Vraiment. J'ai pris aussi donc eh ben, le fake. Donc là, le bronzer de chez Benefit. Alors c'est le même packaging, hein, vraiment exactement la même chose. Donc le bronzer Oula. Voilà, donc c'est la même chose, hein, comme vous pouvez voir. Il y a le petit pinceau à l'intérieur, un petit cache en plastique, et puis voilà. Donc bien sûr, je vous ferai une revue plus approfondie sur ce site. Et donc j'ai pris aussi un pinceau. J'ai pris, il manque un truc. Bon bref, j'ai pris un pinceau comme ça. Voilà. Bleu que j'ai lavé hein, qui est très 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 doux, vraiment très très bien. Je l'ai pas encore essayé, je l'ai juste lavé. Il a pas, il perd pas du tout ses poils, il est vraiment très bien, très doux, très agréable. Donc voilà, je vous en reparlerai. Et donc voilà, j'attends encore de ce site deux petites choses. Et puis dès que je les reçois, bah, de toute façon, je vous mettrai une photo sur Instagram et sur mon Facebook, vous pouvez les voir, et puis je vous en reparlerai une autre fois. Voilà. Alors, rapidement, je vais vous montrer aussi donc ce que j'ai pris donc chez Yves Rocher, puisque j'ai passé une petite commande chez Yves Rocher, puisque vous avez trois produits à 9,90€. Et moi, pour ça, moi c'est irrésistible. Je ne peux pas résister à ce genre d'offre. Donc, trois produits pour 9,90€. J'avais envie de tester certaines choses. Donc je vous montre les trois produits que j'ai pris pour 9,90€ chez Yves Rocher. J'ai pris donc le shampoing protection éclat couleur, donc qui est sans silicone, sans parabène, sans colorant, pour les cheveux colorés. Voilà, donc j'ai déjà l'après-shampoing de la même gamme. Donc voilà, c'est pour faire un combo, pouvoir essayer. Voilà. J'ai alors dans les trois produits, il y avait aussi l'eau démaquillante visage et yeux, donc qui est plutôt un gel d'ailleurs, j'ai l'impression, qui est sans parfum, sans parabène, pur bleuet, à l'eau de bleuet bio. Voilà, celle-ci. Alors si vous avez déjà testé certains produits que je vous montre, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est pareil, je finis mes démaquillants et donc je testerai celui-ci. Et le troisième produit, ça c'est à cause de toi hein, Sabrina que je l'ai pris. Hein. Donc c'est la crème pour les mains, donc beauté des mains, crème hydratation longue durée. Voilà. Un arnica bio qui est comme ça, voilà, et donc voilà, que je testerai
et donc je vous reparlerai. Et il faisait aussi des produits à moins 50%. Donc dans les produits à moins 50%, j'ai pris donc le mascara volume déployé. J'en entends beaucoup parler sur YouTube. Donc voilà, moins 50%, j'en ai profité pour l'acheter. Donc il m'a coûté, je ne sais plus, mais je vous mettrai le prix donc juste sous la vidéo. Donc dans la couleur noire. Hein. Voilà, donc à tester aussi, puisque mes mascaras sont... Je suis en train de terminer mes mascaras. Et donc, on avait le droit à deux cadeaux. Et comme j'avais très envie d'acheter, de tester ce masque pour cet été, en plus c'est un petit format et donc je trouve parfait, même si je prends des échantillons avec moi, mais je trouve quand même très très bien pour partir en vacances, un petit format comme ça, 50 ml. Donc c'est le masque effet glacé, 3 minutes, au cranberry, voilà... Donc j'ai pris ça en cadeau, en plus 3 minutes, quand on est en vacances, je reste pas 10 minutes avec un masque, enfin c'est plus plaisant de faire un masque quand même, de continuer ses soins, mais rapidement. Donc voilà, et puis il y a donc le gommage gourmand, c'était un lot, hein. Le cadeau c'était le lot des deux, mais comme il y avait le produit qui m'intéressait, ben voilà, celui-là je l'ai déjà en plus, donc je pense que je vais l'offrir. Donc le gommage à l'abricot. Bon, que vous connaissez, hein, voilà, tout simplement, celui-ci. Voilà, donc, voilà pour donc mes achats chez Yves Rocher, et voilà, donc, c'est la fin de la première partie, et je vous fais donc la deuxième partie tout de suite. À tout de suite.